La serre amazonienne de Montpellier nous ouvre les portes d'un monde extraordinaire au cœur de l'Amazonie. Cette serre, elle a pour vocation de reconstituer un bout de forêt tropicale, la forêt guyanaise, la forêt amazonienne. Elle présente à la fois un décor végétal et des animaux qui sont dispersés à l'intérieur de ce décor. Là, je donne une partie de la ration alimentaire des sakis. Elle est composée d'insectes notamment. Là, je vais donner des jeunes criquets. On a essayé ici de recréer en fait un petit morceau de l'écosystème amazonien, plus particulièrement la Guyane. Même si les espèces ne correspondent pas toujours, en tout cas on a essayé de présenter en gros une quarantaine d'espèces. On a ici à peu près 10 espèces qui sont en plan d'élevage européen pour la reproduction. Donc ce sont des espèces qui sont menacées d'extinction dans leur milieu naturel et qu'on essaye ici de reproduire. Les animaux n'ont pas été prélevés dans la nature, ils proviennent d'autres parcs. Cette serre est la seule en France à reproduire une partie de l'écosystème de l'Amazonie avec 400 espèces de végétaux. Une diversité qui nécessite beaucoup de soins, mais aussi chaleur et humidité. On a 25 degrés minimum en journée, même en hiver. La nuit, ça descend un petit peu et un taux d'hygrométrie qui est très élevé pour que justement on ait cette ambiance de forêt tropicale humide. Alors ben, ici, il y a quelque chose dont on peut être fier quand même, c'est notre pied de vanille. Et tous les ans, il nous fait des fleurs qu'on pollinise à la main, bien sûr, puisque comme à La Réunion et dans tous les autres endroits où on fait de la vanille, c'est pollinisation manuelle. Donc si on veut avoir des gousses de vanille, il faut faire le boulot à la place de l'insecte. Au-delà de l'immersion au cœur de cette forêt tropicale, il s'agit aussi de prendre conscience de la fragilité et de l'urgence d'agir pour préserver ce trésor de la diversité.